Avant que nous puissions explorer la vie de Majorien et ses exploits épiques, j'aimerais d'abord explorer un autre empereur important que je considère avec Majorien comme le dernier bon empereur de l'Empire romain d'Occident, Procopius Anthemius. Il est beaucoup moins connu que Majorien et même Majorien est beaucoup moins connu qu'il ne le mériterait. Nous devons donc également examiner les actes d'Anthemius, cet empereur romain occidental, assez injustement obscur, qui a été envoyé par l'Estonie à l'heure la plus sombre pour restaurer la gloire de Rome. C'était une période sombre pour l'Imperium. Notre empereur héroïque, Julius Valerius Majorienus, communément appelé Majorien, avait été brutalement trahi par le barbare maléfique Magister Militum Ricimer dans l'un des actes les plus vils connus de l'humanité en 461 après Jésus-Christ. Après avoir presque réussi à restaurer l'Empire romain d'Occident à sa gloire d'antan, Majorien a été trahi par des traîtres qui ont incendié sa flotte de navires qui étaient amarrés à Portus Illicitanus à Carthago Nova et qui auraient peut-être permis de reconquérir l'Afrique, mais cela ne devait pas être. Sur le chemin du retour en Italie, le noble empereur a ensuite été poignardé dans le dos dans une seconde trahison encore plus brutale par son prétendu vieil ami Ricimer, qui a alors montré son vrai visage. Et quand Majorien est mort, le dernier espoir de restauration de l'Empire romain d'Occident est également mort. Ou pas? Eh bien, il est vrai que tout ce que Majorien avait prévu et ses conquêtes ont été rapidement annulées dans les années suivant sa mort. Son successeur, l'empereur Libio Severus, n'était en réalité qu'un empereur marionnette de Ricimer, ne détenant aucun véritable pouvoir. En 4 ans de règne de Libio Severus, tout ce que Majorien avait accompli a été annulé. Sius réformes ont été ignorées. Les Wisigoths avaient de nouveau repris l'Espagne et la situation semblait presque aussi mauvaise qu'avant les conquêtes épiques de Majorien. Mais la relation de Ricimer avec l'empereur romain d'Orient de l'époque, Léon Ier, était mauvaise, car Léon Ier n'acceptait pas Severus comme légitime empereur romain d'Occident. On pense donc que Ricimer a décidé de se débarrasser de Severus afin de faire place à un empereur qui serait accepté par l'Estonie. Cependant, il faut noter que cela n'est pas prouvé à 100%. Je suis assez ouvert sur le fait que je n'aime pas Ricimer. Après tout, il a peut-être tué l'un des meilleurs empereurs de tous les temps et a commis de nombreux autres actes ignobles. Mais on ne peut pas prouver qu'il a fait tuer Severus. Sidonius Apollinaris a par exemple écrit que Libio Severus est mort de mort naturelle, mais Cassiodorus a écrit que Ricimer avait fait empoisonner Severus. Mais ce que nous savons, c'est qu'après la mort de Severus, Léo Ier enverrait quelqu'un à l'ouest qui serait le dernier espoir de restauration de l'Empire romain d'Occident. Un homme nommé Procopius Anthemius, qui était un descendant d'un autre Procopius, qui n'était autre que le cousin de l'empereur légendaire Julien lui-même, un usurpateur contre l'empereur incompétent Valentin. Si seulement Procopius avait réussi à usurper Valentin, l'histoire aurait pu se dérouler tout à fait différemment. Nous verrions donc un parent éloigné de Julien lui-même essayer de restaurer la gloire de Rome, de la même manière que Julien lui-même avait essayé une centaine d'années plus tôt. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Comme vous pouvez l'imaginer, YouTube n'est pas vraiment généreux envers un sujet de niche comme celui de la fin de l'Empire romain. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi désolé que je sois de dire cela. Mais heureusement, nous avons déjà des gens incroyables qui nous soutiennent généreusement, et je ne peux vraiment pas vous remercier assez pour votre soutien à notre travail. Sérieusement, ma femme et moi vous remercions du fond du cœur, chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne, et nous avons même un nouveau soutien de haut rang, à savoir Sobek Seigneur des Quatre Coins, qui soutient cette chaîne en tant que César. Merci beaucoup pour votre généreux soutien, Sobek. Majorien vous remercierait de soutenir une chaîne portant son nom. C'est ainsi qu'en l'an 467,
après Jésus-Christ, la cour romaine orientale de Léon Ier envoya Procopius Anthemius à l'ouest, et il arriverait à Rome, la ville éternelle elle-même, la même année. Contrairement à de nombreux empereurs avant lui, il ne choisirait pas de résider à Ravenne ou à Mediolanum, mais il s'installerait à Rome. En fait, à l'insu de beaucoup, surtout dans les dernières années de l'Empire romain d'Occident, Rome avait réussi à réémerger plus souvent qu'autrement comme la capitale impériale, un sujet dont je parle dans cette vidéo ici. Anthemius a restauré l'ancienne monnaie impériale et a pris résidence dans le complexe palatial des anciens empereurs sur la colline du Palatin, qui était encore en état de fonctionnement et avait été réparé des dommages qu'il avait subis lors des deux sacs de Rome de 410 et 455. Pourtant, bien sûr, après ces deux sacs, Rome n'était plus aussi splendide qu'elle l'avait été auparavant. J'ai parlé de l'état de Rome à cette époque dans cette vidéo ici. Anthemius avait plusieurs problèmes à résoudre. Son plus gros problème était le même que celui auquel Majorien avait été confronté, à savoir les Vandales occupant toujours l'Afrique, le grenier de l'Empire occidental et la province la plus riche, qui était par conséquent une base fiscale extrêmement importante. La survie de l'Empire occidental dépendait de la reconquête de l'Afrique. L'autre problème étaient les Wisigoths ressurgissants, qui s'étaient à nouveau étendus après que Majorien les ait vaincus de manière décisive et les ait réduits au statut de fédérés. Heureusement cependant, comparé à Severus Anthemius, entretenait de très bonnes relations avec l'Estonie. En fait, Anthemius est le dernier empereur occidental à avoir été enregistré dans le droit oriental. On croit aussi parfois qu'il était un païen secret. Il y a quelques indicateurs pour cela, bien que cela ne puisse pas être entièrement prouvé. Pour commencer, il a fait frapper une contornière, portant une référence à Hercule. Ensuite, il s'est entouré de païens. Son général, le commu Marcellin, était un païen. Et le préfet urbain de Rome, le Praefectus Urbi, Messius Phoebus Severus, également un bon ami d'Anthemius, était aussi un païen. Et puis Anthemius avait étudié à l'école néo-platonicienne d'Alexandrie sous Proclus et Marcellin, et Messius Phoebus Severus étaient des collègues à lui qui avaient également étudié là-bas. C'est probablement là qu'il a dû les connaître. Et puis, selon Damas, l'un des derniers néo-platoniciens, un païen lui-même, Anthemius et son ami Messius Phoebus Severus, avaient même prévu une renaissance païenne à Rome. Apparemment, ils se préparaient à rouvrir les anciens temples qui avaient été forcés de fermer par Théodose environ 72 ans plus tôt. Tout d'abord, ils prévoyaient apparemment de restaurer le temple de Jupiter Optimus Maximus et de réparer les dommages qu'il avait subis lors du sac des Vandales. Si ces choses sont vraies ou non, nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais il est absolument fascinant que le paganisme était apparemment encore fort même à cette époque tardive, quelque chose dont nous avons discuté dans cette vidéo ici. Mais avant qu'il ne puisse tenter de restaurer les anciens rites païens à Rome, si c'est vrai, il devait augmenter son pouvoir et la reconquête de l'Afrique ferait exactement cela. Dès 467, Anthemius organisa une expédition dirigée par Marcellin contre les Vandales, mais en raison du mauvais temps, la flotte romaine dut abandonner l'opération. En 468, Anthemius organiserait la prochaine tentative, mais cette fois avec l'Estonie et l'Empire romain d'Orient, ayant eu les revenus fiscaux les plus élevés, à rassembler une flotte massive. La flotte conjointe de l'Estonie et de l'Ouest était l'une des plus grandes jamais assemblées dans l'Antiquité. 1100 navires ont navigué vers l'Afrique en 468. Gésaric était impuissant face à une telle force et a demandé la paix. Le commandant naval incompétent de l'Empire romain d'Orient, Basiliscus, était en charge de la flotte, tandis que Marcellin attaquerait de Sicile avec une autre flotte. Gésaric a demandé du temps pour préparer la reddition et accepter les conditions des Romains. Trop confiant, Basiliscus a ancré la flotte au Cap Bonne, mais bien sûr, Gésaric, étant le rusé salaud qu'il était, a juste été blâmé pour le temps. Il avait préparé une flotte de navires explosifs
qu'il a lâché sur la flotte romaine dès que le vent a tourné, détruisant et coulant plus de la moitié de la flotte romaine. Ainsi, ce jour J de l'Antiquité s'est terminé en désastre pour les Romains par la folie d'un commandant naval romain oriental incompétent. Cela a ruiné l'Empire d'Orient, qui a été dès lors totalement incapable d'aider l'Occident. Et cela a considérablement affaibli Anthemius, mais a rendu Ricimer plus fort. Anthemius avait besoin d'une victoire, mais après le désastre contre les Vandales, le trésor était presque vide. Il a recruté les Bretons sous leur roi Riotamus pour combattre contre les Wisigoths et leur roi Éric. Riotamus est un candidat possible pour être le roi légendaire Arthur. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Mais Riotamus a été vaincu et s'est enfui chez les Burgondes dans la ville d'Avalon, un nom qui est également célèbre de la légende d'Arthur. Anthemius a donc recruté une armée avec les peu de fonds qu'il lui restait et a envoyé son fils Anthemiolus avec d'autres généraux, commandant cette armée pour attaquer Éric et ses Wisigoths. Mais ce plan a également échoué et ils ont tous été tués par les Wisigoths à Arelat. C'était un autre coup brutal pour Anthemius. Non seulement il a perdu son fils, mais une autre armée a été détruite, et l'espoir de reconquérir l'Espagne était maintenant perdu. En 470, Anthemius a fait exécuter Roman, un ami de Ricimer, pour trahison. Même si Ricimer était marié à Alipia, la fille d'Anthemius, cela n'a pas empêché une rupture ouverte entre les deux. Cela a conduit à la guerre civile, ce qui était une pratique tout à fait courante dans l'Empire romain tardif, et Ricimer a assiégé Rome en 472. J'ai longuement parlé de ce sac assez méconnu dans cette vidéo ici. Malheureusement, Anthemius a perdu, ses forces ont été vaincues, Rome a été ravagée et pillée par les barbares de Ricimer, et Anthemius a cherché refuge dans une église à Rome, mais a été découvert par Gundobad, un parent de Ricimer, et tué. Ainsi a péri le dernier espoir de restauration de Rome, à nouveau initié par Ricimer. Avec la mort d'Anthemius, la mort de Rome était un fait accompli, et seulement 4 ans plus tard, ce qui restait de l'Empire romain d'Occident se dissoudrait. Et si vous êtes intéressé par l'aspect exact de Rome à l'époque d'Anthemius, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par l'aspect de Constantinople, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias, amici, Empire romain et Beneval.